Papa, rentre dans ta chambre. Il est à tout le monde. Tu vas voir ton visage, tu vas te rendre compte que tu grandis. Tu vas te rendre compte que tu n'es plus jeune. Maintenant, parce que tu n'es plus jeune, tu dois chercher à fixer ton avenir. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous allons lire Ecclésiaste 9, verset 10. Ce verset dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire, avec la force, fais-le. Car il n'y a rien. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science ou sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire, si ta main trouve à faire le commerce, fais le commerce. Si ta main trouve vraiment à écrire avec ton papier, pas dans les études. Alléluia! Alléluia! Maintenant, pour clore, je vais dire ceci. Pour travailler, il faut avoir un but. Pour travailler, il faut avoir un but. Il y a des gens qui travaillent. Parce qu'ils n'ont pas un but, ils ne sont pas sérieux dans leur travail. Le travail commence à 8h, toi tu te présentes à 11h. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas un but. Si tu as un but, vous faites que tu aies un. Et si tu travailles avec ce but, vous faites que tu aies un business pour venir devenir quelqu'un. Je connais des gens qui ont construit, qui n'ont gagné même pas 300 000. Alléluia. Des gens qui ont construit, qui n'ont gagné même pas 300 000. Dans nos pays, les enseignants, surtout les maîtres, l'école primaire, mais ils sont arrivés à construire. C'est la planification, mais parce qu'ils avaient un but. Vous savez, tout homme doit préparer du bébé de sa vie. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont travaillé, qui travaillent, qui partent à la retraite sans construire. Mais c'est grave. Alléluia. Et aujourd'hui, les enfants souffrent. Parce que quand ce monsieur travaillait, c'était la guerre, c'était les femmes, c'était le. Il n'avait pas un but. Les erreurs que nos parents ont fait, les erreurs que les autres ont fait, toi, tu dois le faire. Alléluia. Alléluia. Quel est le but de ta vie pour cette année 2011? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quelle est ta vision? Quelle est ta pensée? Alléluia! Tu dois avoir un but. Et si tu as un but, tu vas réussir. Pour cette année, cherche à connaître ce que Dieu a déposé en toi. Mets cela en valeur. Tu peux devenir quelqu'un. Tu peux devenir quelqu'un. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour mourir pauvre. Il nous arrive parfois de ne pas manger ce qu'on veut manger à cause de la pauvreté. Il nous arrive parfois de ne pas habiller ce qu'on ne veut pas habiller à cause de porter ce qu'on ne veut pas porter à cause de la pauvreté. Dieu n'a pas créé un homme pauvre. Et l'homme s'est fait pauvre par l'ignorance. Alléluia. On s'était pauvre par l'ignorance. Chez nous au Congo, il y a des hommes qui vendaient des charbons qui ont écrit l'histoire. Et aujourd'hui, cet homme a même son nom. Figure par un arrêt de bus qu'on appelle Ebina. Un homme qui n'était pas instruit. Mais aujourd'hui, il a écrit l'histoire. Bien aimé, tu peux écrire l'histoire.
regardez Yusundu. On l'a dit Yusundu. Il n'a jamais fait le pont. On Yusundu est bon. Ça, c'est un moyen. Il n'a jamais fait le pont. Il était vivant. Il chantait comme ça. Il a compris que il fait percer dans son domaine. Il a percé. Comme il a d'argent. Il paye maintenant des professeurs pour le former, pour lui donner une formation. Tu peux devenir quelqu'un. Arrête de tuer le temps, toi qui es là pour le voyage. Yes, I will allow you to live. Parce que garder c'est le bon droit. La vie c'est Jésus. Et la vie c'est le travail. Alléluia. Regardez beaucoup de jeunes qui partent dans le monde éternel. Regardez les vieilles mamans pour qu'ils partent en Europe. Il y a une victoire et ma guerre. Bon, je suis des yeux bleus. La taille 50 ans. C'est pas tout. Là, tu montres, c'est un homme, un blanc. Parce que tu dois t'envoyer des papiers pour t'épouser. J'avais des soeurs chrétiennes qui s'étaient déshabillées, qui montrent leur corps à un blanc. Des soeurs. Tout ça parce qu'ils sont désespérés, ils ne le suivent. La réussite, c'est avec Dieu. Dis Amen. Touche-la, ton voisin. Dis à un potentiel en toi. Il y a une capacité en toi. Il y a un talent en toi. Quand j'organisais cela, cette année 2011, devenir le meilleur. Devenir le meilleur. Parce que cette année, ton année, que tu dois te démarquer. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia! Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut acclamer le roi, le roi, le Seigneur, le Seigneur? Gloire à Dieu. Maintenant, pose la question à ton voisin. Si tu l'avais posé la question en disant tu fais quoi, il t'avait dit je ne fais rien. Il y a même des gens, eux-mêmes se sont autoproclamés en plein temps. Ça ne veut pas dire quand tu es serviteur de Dieu, tu ne vas pas travailler. Il y a des gens qui servent Dieu, mais qui travaillent aussi. Moi, franchement, quand tu m'avais appelé à présent, j'ai résisté pendant deux mois. Mais quand j'arrive au travail, je travaille comme ça, je commence à faire des dégâts. Il fallait que je laisse. Si Dieu ne t'a pas dit ça, tu dois travailler. Ça ne peut pas dire quand tu es marié, tu dois rien faire. Ça, c'est la paresse. Pourquoi tu as étudié? Et j'aime aussi des hommes, quand tu épouses une femme, tu demandes à la femme de rester comme ça, faire des hommes. C'est un péché. Encourage ta femme à faire quelque chose. Même le commerce. Même les affaires. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, cette année, c'est mon année. Montre-moi ce que tu as déposé en moi. Montre-moi le potentiel, la capacité, les talents que tu as déposé en moi. Seigneur, je veux devenir quelqu'un cette année. Oh, tu m'as pas créé, idiot. Tu m'as pas créé, bête. Tu m'as créé avec la sagesse et l'intelligence. Oh Dieu, délivre-moi de la distraction. Élève ta voix et commence à prier. Demande à Dieu de te donner une vision pour cette année. De te donner une vision pour cette année. Qui te donne une vision pour cette année.